82 nouveaux apprentis, 171 au total pour cette rentrée 2019. Donc voilà, on est content de les avoir avec nous et bon, on serait encore plus content si on en avait un petit peu plus. On a une quarantaine d'offres à pourvoir encore sur le département des Ardennes. On est sur tout type de métier, hein, usinage, pilotage de lignes de production, maintenance, fonderie et usinage. Les nouveautés de cette année, donc nouveauté 2019 au pôle formation de Charleville, c'est la mention complémentaire technicien en soudage. Donc on est sur une année de formation et on se spécifie sur les techniques de soudage. Donc on a choisi en fait d'ouvrir nos portes sur les mois de septembre et octobre, tous les mercredis, de 14 à 19h. Pour les personnes qui souhaiteraient s'orienter sur l'industrie ou éventuellement se réorienter, puisque cette période est propice aussi pour des personnes qui se seraient trompées de voie, qui auraient commencé sur une filière et puis qui arrêteraient cette filière-là. Donc les reconversions sont possibles. Nous, on les accueille donc tous les mercredis, plus deux samedis matin, les samedis 5 et 19 octobre, de 9h30 de 9h à midi. Au pôle formation. Le prépa apprentissage, donc au pôle formation, donc on aura une formation donc de 350 heures pour vraiment préparer les jeunes donc de 16 à 29 ans sur les métiers de l'industrie. 350 heures de formation avec une partie en stage en entreprise pour qu'ils puissent découvrir et les ateliers du pôle, mais aussi le métier dans le vif du sujet dans l'atelier en entreprise. Donc cette période-là démarrera le 14 octobre et à la fin de cette période de prépa apprentissage, bien sûr, ils pourront signer un contrat d'apprentissage à la fin ou même pendant si le projet se confirme un petit peu plus que prévu. Ce qui me plaît dans la fonderie, c'est le fait qu'on touche énormément de domaines en même temps, c'est-à-dire mécanique, machinisme, vous avez des choses qui se font à la main, qui sont autant minutieuses, comme physique d'ailleurs. J'ai fait un stage ici en immersion au pôle formation et j'ai trouvé ça intéressant. Puis c'est pour ça l'apprentissage, ça, on va dire, c'est pas monotone, ça change tout le temps, quoi. C'est ça qui m'a plu.